À chaque matin, c'est la même histoire. Aujourd'hui, comment je m'habille, elle n'a plus rien à ses tiroirs. Dans sa tête, c'est sombre, ses pensées sont noires. Je veux disparaître, je veux plus qu'on me voit. À l'école, tous les jours, les jeunes rient de moi. Rien que le fait d'être encore là, ça me donne mal au cœur. Pourquoi tous les jours, c'est moi la cible, pourquoi c'est moi qui ai cœur? Je veux plus supporter les commentaires qu'on dit sur moi. S'il te plaît, Dieu, amène-moi avec toi. Ces mots sont enregistrés dans sa tête. Toutes ces phrases se changent, ma grosse tempête. Les préjugés restent à l'intérieur, les points blessent, mais les paroles restent. Pourquoi moi, hein? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je né sous cette heure? Pourquoi la violence verbale fait aussi mal? Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi suis-je ici? C'est mes pensées quotidiennes. Y a-t-il un ange gardien qui veut de moi? Plus les jours passent, plus ces jours se raccourcissent. Plus le temps passe, plus elle est impatiente de partir. Plus elle regarde vers le ciel, plus son visage est souri. J'ai mal au cœur, rien qu'à me regarder. Pourtant, je suis comme tout le monde, ça n'en vaut plus la peine de regarder. Je n'ai plus la force, je suis tannée. Pourquoi n'a-t-il personne pour me comprendre? Dans cette vie si étrange, je suis la seule à supporter tout ça. C'est immense, je sais même plus qui je suis. Je suis ce que le monde veut. Je suis sûrement qu'une joke, une rigolade pour eux. Mais qui est le roi de ce jeu? À quelle porte puis-je frapper pour en sortir? Nous sommes tous réunis au corps de Kitty Villeneuve. Maintenant, soyons en paix. Amen.